Allô? Qu'est-ce qu'on m'entend? Parce que j'ai l'impression que ça. Connexion qui fait de la merde. On va voir si ça tient. Ça va, Alex? J'ai l'impression que ma connexion n'est pas du tout stable et que j'ai pas mal de drops. Donc on va quand même tenter de faire un petit stream, mais je suis pas convaincu. Bien. Tu pourras pas trop parler. Ça marche, Alex. Non, mais de toute façon, je te dis, je vais regarder, enfin, on va streamer un petit peu et on va voir si ça tient. Parce que là, j'ai l'impression que ma connexion a fait n'importe quoi et fait oui, comme ça là. Donc on va lancer ça, on verra bien ce que ça donne. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce soir, on joue à Tales of Vesperia, qui est un RPG. Hop, qui fait partie de la scène, de la série des Tales of. Bon, la musique là. Calmons-nous. Donc, fait partie de la série des Tales of. Donc voilà, je suis de Tales of tout simplement. Qui est donc une série de jeux de rôle de RPG et qui donc voilà fait partie des séries Tales of. Il y a eu Tales of Berseria, il y a eu Tales of Symphonia, il y a eu plein de Tales of et celui-ci c'est le seul auquel moi j'ai joué quand j'étais plus jeune et ils ont sorti une version définitive il y a pas longtemps et je me suis dit pourquoi pas rien. Excusez-moi, pourquoi pas se refaire une petite aventure suivie là-dessus. Mon micro n'est pas très fort. Alors attends, c'est juste parce qu'en fait il faut que je change de micro. Donc je vais l'approcher un petit peu, on verra si ça suffira. Parce qu'il est à fond, il est à fond. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on va se lancer. Alors le jeu est en anglais. Je traduirai ce que je peux traduire quand j'aurai le temps, bien sûr. J'ai mis les voix en japonais parce que je préfère avoir les voix en japonais parce que c'est un jeu qui est assez voilà, il y a pas mal d'animes, de parties animées dans le jeu. Je préfère m'excuser d'avance pour les drops qu'il va y avoir parce que je vois qu'on drop quelques images là, donc bah désolé. Je vais essayer de voir pourquoi est-ce que ma connexion internet me fait de la merde en ce moment. Et donc on va se lancer. On va se lancer, on va couper la musique ici, on va passer les infos importantes là. Tac. Tac, tac. On va mettre ça, on va mettre tac 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 ça.
Ça. Et on est parti. On est parti, on est parti. Alors est-ce que la capture va fonctionner? Oui, ça fonctionne. Alors le son risque d'être un petit peu fort. Donc je vais baisser dès que. Hop. Ouais, le son risque d'être un peu fort. Excusez-moi. On va baisser ça tout de suite. On le met là, ça devrait aller mieux. Ouais, mais du coup, on a passé la vidéo. Moi, je veux voir la vidéo d'intro, moi. On recommence. Excusez-moi. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment, donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire les tests, voir au niveau du son et tout. J'ai juste baissé un petit peu moi, mais il fallait baisser un peu plus, manifestement. Et je pense que demain, je vais aller m'acheter un nouveau casque micro parce que là, c'est insupportable. Hop. Ouais, bien sûr, c'est japonais, hein, donc ça en fait des caisses. Voilà, mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça fait un peu ça fait plaisir de temps en temps d'avoir ça. Donc, c'est un monde médiéval fantastique japonais, quoi. Il y a un style un petit peu manga, alors ça, c'est les. C'est les. Quand c'est en animé comme ça, c'est les cinématiques qui sont comme ça. Bien sûr, le jeu n'est pas un jeu animé comme ça, vous allez voir le jeu est assez beau. Moi, j'aime bien les directions artistiques. Alors je risque de beaucoup sourire comme un niais parce que j'ai passé pas mal d'heures sur ce jeu et ça me rappelle les souvenirs c'était il y a 10 ans hein. Ouais, la connexion est full bug. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Attendez un petit instant. Hop. Je suis vraiment vraiment désolé pour les drops. Mais bon. On va faire une nouvelle partie. Baisser un peu les sons. On les remontera plus tard s'il y a besoin. Hop. Et juste en termes de configuration, ça c'est bon. Hop. On est parti. Deuxième cinématique. Notre monde. Terkalumereis. Personne ne sait jusqu'où s'étendaient ces terres et ces mers. Et pour les gens. Et les gens ne sont pas de taille à affronter les monstres qui. Les hordes de monstres qui traversent les terres. Et donc les barrières
protègent les sites dans lesquels on vit. Et nous sommes complètement dépendants d'eux, ou d'elles plutôt, pour notre survie. Ces barrières sont générées par des Blastia. Les Blastia utilisent l'énergie primordiale de l'air dans le monde pour nous donner du feu, de l'eau et de la lumière. Elles nous donnent de tout, ce qui fait que notre empire a prospéré. Peut-être un jour, on va même oublier la menace vicieuse des monstres qui attendent juste derrière les barrières. La bénédiction des Blastia va nous donner plus d'autant plus de prospérité et de paix à ce monde et aux gens. Qu'est-ce qui a pu arriver à la barrière de ce village? Et boum! Et là, c'est Akko Boulevard. Depuis la paix de la capitale impériale Zafias, nous prions. Bénissez ce monde. Et voici le charismatique héros, Yuri. Voilà, les graphismes du jeu reprennent là. Et ça, c'est son fidèle chien, qui quand même fume la pipe et a une dague. Je veux dire, c'est pas rien que pour un chien. Yuri, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries, Ted? Regarde, le Blastia d'eau s'est encore cassé. Et il venait juste de le réparer. Et alors, c'est le problème? T'as juste à laisser les comment, c'est quoi Mighty déjà? C'est les... J'ai plus le mot en anglais. Les super chevaliers impériaux. C'est pour ça qu'ils sont là. Les chevaliers? Tu sais très bien qu'ils viendront jamais dans les quartiers bas. Bon, et quid de ce héroïque Flynn? Non, j'ai déjà essayé de voir Flynn, mais il ne voulait même pas me laisser le voir. Ah, donc je suis le remplacement de Flynn, hein, c'est ça? Allez, on s'en fout, viens, on a besoin de gens. Ted, tu redescends, on a besoin de ton aide aussi. J'arrive. Allez Yuri, viens. C'est bizarre. Il vient toujours en courant dès qu'il y a du problème. Bon allez, cet endroit va devenir un aquarium si ça reste ainsi. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En cours de route, on en est qu'au début encore, hein. Vous inquiétez pas. La capitale impériale Zafias. Oh, tellement de classe. Yuri! Même pas je réponds, moi. Avec moi, je suis badass. Et voici, donc, notre petit personnage. Et donc, ce qui est sympa dans le jeu, c'est que de temps en temps, il y a un petit dialogue entre les membres de ton équipe. Comme là, on peut voir Everyday in the Lower Quarter, donc tous les jours, le quotidien des quartiers bas.
Où les personnages discutent entre eux. D'abord, le problème avec les chevaliers hier, maintenant le Blastia d'Adou qui se casse. Pourquoi est-ce que des choses pareilles arrivent toujours dans les quartiers impériaux, les quartiers bas. Ouf. Je sais, ça sert à rien de se plaindre. Ouf. Bon là au début, vu que dans notre équipe on a que deux membres de notre équipe, et il y en a un c'est un chien, les dialogues vont pas être très intéressants. Hop. On avance et donc voilà, le Blastia d'eau qui alimentait la fontaine a été volé. Donc on doit se débrouiller pour le sceller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trésors enfouis ici. Oui, mais t'es en retard donc je ne partage pas. Haha, sympa. Eh, c'est une marche ou crève dans ce monde hein. On dirait que le mage qu'ils ont embauché pour réparer Blastia a fait le travail qu'à moitié. Ah, je suis content que tu aies pu trouver un moment pour t'arrêter, pour passer à Yuri. Ouais, calme-toi avec les sports aquatiques, le petit vieux là. Ça ne te rajeunit pas. T'es le prochain. J'espère que t'es pas effrayé par un petit peu d'eau. Allez. On met maintenant Ois. Hank se donne vraiment à fond. Il se sent responsable. C'est celui qui a poussé les gens à avoir récolter de l'argent pour les réparations. Et maintenant c'est celui qui est tout mouillé. Bon, c'est pas la faute de Hank si le mage a fait un travail de. À moitié travaillé, quoi. C'est vrai. Il a vraiment. Il a même partagé avec sa femme pour. Lever les fonds. C'est plutôt joli comme jeu. C'est ironique ou c'est pas ironique? Parce que le petit smiley me laisse dubitatif. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien le jeu. Bon, ça c'est une version qui était un peu remasterisée aussi. Mais globalement, les graphismes, ils ont gardé les mêmes graphismes. Hey Yuri, si tu n'aides pas, dégage, c'est dangereux. Ah mais Yuri, il a réfléchi. Hank, est-ce que tu avais le cœur du Blastia quelque part? Tu sais, la pièce brillante qui est au milieu. Hein? Elle est partie? Oui, le Blastia ne marchera pas s'il manque son cœur. C'est l'aristocrate qui est venu faire les réparations. L'aristocrate qui est venu faire les réparations et le dernier à avoir touché le Blastia, c'est ça? C'est ça. Un certain monsieur Mordio. Et il vit dans les quartiers royaux? Oui, et alors? Bon, oublie ça, Yuri. Donne-nous une main, mais non, prête-nous main forte. C'est pas ironique. D'accord. Ouais, non, moi j'aime bien. Tu verras. Et puis les combats sont intéressants aussi. Le jeu était assez sympa. Désolé, Hank, je me rappelle que j'ai une course à faire. Hey, reviens! Attends une minute. T'es pas sérieux là? Tu penses que tu vas aller voir monsieur Mordio? Les quartiers royaux? Non, moi? Non. Je voudrais pas me faire attraper dans une. C'est pareil, ça me fout les jetons. Bordel Yuri. Juste parce que tu peux faire quelques tours avec ton body Blastia, tu penses que t'es invincible. J'espère qu'il fera rien de fou. Ouais, il va toujours causer des problèmes quand les quartiers bas sont mêlés à ça. Même les chevaliers gardent un oeil sur lui. Bien. C'est juste un jour normal pour Yuri, je suis sûr qu'il ira bien. Hop. Moi le truc que j'aime pas trop c'est la caméra qui est forcée dans les villes, comme ça. Je suis pas trop fan. C'est pas moi qui dirige la caméra là en fait. Mais sinon le jeu me plaît. Donc on va aller chercher dans les quartiers royaux s'il y a pas. Alors oui bien sûr on peut parler avec plus ou moins tout le monde. Hein. Mais bien sûr ils sont pas tous intéressants. Lui c'est un marchand si je dis pas de bêtises. Bienvenue, c'est moi, j'ai des bonnes choses à vendre aujourd'hui. Bon, pour le moment j'ai pas vraiment de trucs à acheter. Donc on va aller dans les quartiers royaux. Hey vous là, est-ce que vous êtes au courant des événements qui se passent dans le monde? Par ici, je suis le reporter fabuleux. Je vous donne les articles qui sont importants tous les jours. Est-ce que tu lis le journal le matin? Une coupe de café, un donut, quoi? Tu pas? Non, ça va pas le faire.
tues pas. Tu le fais pas, ça va pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé d'épique aujourd'hui? Tu ne devineras jamais. Tu peux le rire, tu peux le lire où tu veux, quand tu veux, et sans effort. Et oui, c'est le log merveilleux. Utilise-le à bon escient. Ah, et au fait, gardons entre nous le fait que je sois dans le mur, d'accord? Allez, salut! Hein? Voilà, Wonderlog. Alors ça, Wonderlog, ça n'était pas, je crois, dans la version que j'avais, moi, sur Xbox. Donc avec le Wonderlog, tu peux accéder au synopsis via la librairie, enfin la bibliothèque du menu. Donc, en gros, l'idée, c'est que là, on doit avoir la bibliothèque, synopsis, et ouais, en gros, ça, c'est un petit résumé de là où on en est dans l'histoire. Hop! Bon, les drops ont l'air de se calmer. Encore une fois, désolé. Hein. Hey, t'as entendu à partir, l'histoire à propos du Blastia dans les quartiers, bas? Ouais, j'ai entendu que quelque chose avait cassé et quelqu'un et les gens, ils ont récolté l'argent pour le réparer. Ouais, c'est ça. Et j'ai entendu qu'il y en a beaucoup qui ont vendu leurs trésors pour avoir l'argent, quoi. Des trésors? Oui, enfin, c'est des pièces, c'est de la merde, quoi. Rien de plus. Ils n'ont même pas eu plus de 1 galde pour eux. Même pas 1 galde. J'imagine même pas quel genre de trésor ça devait être. J'aimerais bien aller voir quand même. Bon, je te dis, c'est rien que de la merde. Écoutez ces gars là. Pauvre Anx. Bon, ceci dit, je peux pas vraiment argumenter avec eux par rapport au junk. Comment on appelle ça, un junk? Paf! Sniper. C'est quoi la traduction pour junk? La ferraille. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Et paf! Quoi c'est ça d'avoir des casques si avec deux pierres tu te fais assommer, quoi? Si tu ne peux pas comprendre la valeur de cette ferraille, tu ne vaux pas mieux que la ferraille toi-même. Rapide, est-ce que tu peux fin. Est-ce que tu. Rapide Repede, comme il dit en français. Est-ce que tu peux trouver la trace? La piste. Rapide, c'est le chien ninja avec sa dague. Oh, mais il manque un Blastia ici aussi. Donc ils prennent aussi les cœurs de Blastia d'ici. On dirait que quelqu'un a la main lourde. Et ça, c'est le quartier royal. Quelques Blastia qui manquent. Et personne ne s'en aperçoit. Alors que dans le quartier bas, dès qu'il y en a un qui manque, c'est le chaos. Après, s'ils ont des cœurs en rab, ils devraient nous en donner un petit peu. Trouvé. Hop, donc Rapide a trouvé la piste. Noble, comme un petit dialogue. C'est vrai que les nobles ont une vie douce comme d'hab. Hein? Quartier bas, ils sont juste ici et ils s'en foutent. C'est pas leur perte. Quoi, ils devraient agir, tu sais, les nobles. Et ne pas juste s'habiller bien et rester dans leur manoir. Donc il a trouvé la piste ici. Alors les chevaux sont un peu chelous ici, hein. Mais bon, on n'est pas pour juger. Donc bien évidemment, la porte va être fermée. Donc ça c'est là où qu'il vit. C'est là qu'il habite. On dirait qu'il y a personne. Je petit shoot dans la porte. Je me demande s'il y a une autre façon d'entrer. Bien évidemment, on rentre pas par la porte d'entrée, hein. Oh, là c'est ouverte. Je peux rentrer par ici. Je sais que Mordio se cache ici quelque part. Non, c'est pas ici. La porte ne s'ouvre pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ça doit être. Le
Le Blastia. Trouvé. Allez, le chien attaque. Tu es mordu, c'est ça? Bon, les animations sont pas ouf, hein. On va pas se mentir. Les animations de cinématiques sont pas ouf. Bon, il a disparu, mais Rapid il a pris le petit sac. Donc c'est bon. Ouh, c'est un bon garçon ça. Qu'est-ce que. Le cœur du Blastia est parti! A disparu. Allons-y et retrouvons ce cœur. Et on va botter les fesses de Smash pendant qu'on y est. Oui. Quelle porte déjà? Bah si, c'était la porte, c'est la bonne porte. C'était par ici. Je m'ai trompé, ça va. Et là, c'est le tram. Yuri! C'est toi qui dois être en cause de tout ce bordel. Je sais qu'il est pauvre, mais s'introduire dans une maison d'aristocrate, ah là là. Il me déçoit. Juste ce que je demandais. Tic et tac. Comment ça? Trop vénère. Bon, Tic et tac, c'est un petit couple d'antagonistes du jeu. Il n'y a aucun espoir de fuite, nous t'avons encerclé. Bon, bien évidemment, en gros, c'est le tuto pour t'apprendre comment le combat se passe. Hein. Est-ce que je donne l'air de vouloir m'échapper? Vous voyez, c'est le truc, c'est les sortes de situations comme ça qui empêchent vous d'avoir des promotions. Tu n'as pas dit ça! Je dis, retire ça tout de suite! Allez, on arrête de fouetter les buissons. Combat! Recule à décor! Je m'en occuperai au nom des chevaliers d'impériaux! J'ai dit, je dois être le premier, celui à défendre le nom des chevaliers impériaux! Paysan! Reculez! C'est toi le pécor! Non, non, je suis ton supérieur! J'apprécie le sentiment, les gars, mais. Est-ce qu'on pourra arrêter le chit-chat et se lancer dedans? Donc, pour ce combat, les contrôles sont en semi-automatique. Moi, je les mettrai en manuel après, mais en gros, voilà l'idée. Tu te déplaces avec gauche et droite, tu sautes avec X et vers le haut. Tu peux viser l'ennemi le plus proche avec. La gâchette, tu peux changer le ciblage avec les RB et la gâchette. Et du coup ça te cible automatiquement sur la personne. Tu peux t'avancer et reculer, voilà. Si tu veux bouger, parce que là en gros, là je suis bloqué. En gros si je bouge, si je mets ma manette, si je vais vers le haut il se passe rien, vers le haut et le bas il se passe rien. Je suis bloqué sur une ligne. Et si j'appuie sur la gâchette de gauche, bah je peux bouger un peu plus librement. Allez on y va, vous êtes prêts? Je suis ton supérieur. Non, je suis. Tu es là, tu es mon sous-fifre. Bon, pendant qu'ils sont en train de se battre, vous voyez mettre une petite attaque. Donc, l'attaque normale c'est B. Mais vous voyez là, il approche jusqu'à. Si je m'écarte et j'appuie sur B, il tape pas dans le vide. Il va approcher, paf, paf, et donc on peut faire des combos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a plusieurs combos différents. Hop. Donc vous voyez quand je dis que c'est un jeu qui fait des caisses, le mec il met un coup et quand il récupère son épée, genre il y a aucune logique dans la physique du truc, genre le mec il tape et son épée et hop il arche blanc. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, donc on peut diriger ses attaques avec les touches aussi. Si je vais vers le bas ça fait des attaques différentes, si je vais vers l'arrière ça fait des attaques différentes, si je fais vers l'avant ça fait des attaques. Pareil, et si je fais neutral, ouais, ça fait un combo comme ça. Hop, Dico, tu peux déplacer et mettre des attaques aussi, voilà, quand tu cours. Et paf! Si jamais je me déplace et que je touche une autre cible, hop, le ciblage, le verrouillage change automatiquement. Aïe!
Allez, comment est-ce que vous vous sentez? Comment oses-tu frapper quelqu'un qui est au milieu d'une discussion? Ce ne sont pas des bonnes manières. Tu ne m'as pas entendu quand je dis vous êtes prêt ou vous n'écoutiez pas? Bordel! Attention, on rigole plus. Hein. Oh frère. Eh hey, frère! Arrête-toi! Est-ce que t'as donné l'impression que je suis en train de courir? Calme-toi! Ferme-la! Ah! Temps de se défendre. Donc on peut se défendre avec X. Là, paf. Donc ça réduit les dégâts. Hein. Bon après, si je prends des dégâts normaux, vous voyez, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est un mob. C'est enfin. C'est tuto quoi. Là, c'est typiquement ici où Alex pourrait mourir par exemple. Il a bloqué mon attaque! Je sais! Je sais, je dis! Thrust, c'est la poussée Sonic. Voilà, calme-toi. Comment oses-tu bloquer mon Arte? Donc voilà, l'Arte, c'est les sorts dans le jeu. Et voilà, il t'explique comment utiliser les Arte. Donc les Arte, c'est les trucs que tu bind avec A. Et voilà, le premier Arte qu'on a, c'est Azure Edge. Qui est une sorte de Hadouken qui tape à distance. Et on peut faire donc un combo combat. Enfin, ouf, voilà, super. Le tuto est vraiment basique. Hein. Vous n'avez jamais abandonné? Les Sanctuaires impériaux ne m'abandonnent jamais. Je n'ai pas encore vu notre vraie puissance. Allez, cette fois c'est pour de vrai. C'est ma réplique, donc voilà, donc là c'est le vrai combat où tu mets en pratique tout ça. Et donc c'est ici que Alex risque de mourir fortement si jamais il joue au jeu. Hein. Merde. Alors je galère parce qu'en fait je déteste les contrôles semi-automatiques. Est-ce que je vais faire une Alex? Est-ce que je vais mourir au tuto? Est-ce que je vais... Mais bordel de merde! un petit gel pour se régène. Voilà, hop. Paf, le décès. Hop. Bon, au début les combats sont pas très passionnants, hein. On va pas se mentir. Hop. Hey les gars, vous pouvez pas faire mieux que ça? Bon là par contre il y a du renfort. Et il y a surtout on dirait que je ne rattraperai pas cette diligence de sitôt. Typique de la brigade Schwan. Peut même pas se débrouiller pour capturer un moins que rien. Captain Kumo, nous t'excusons pour cette bien mauvaise vue. J'ai peur que les chevaliers impériaux n'aient aucune utilité de vous deux. Non, ne dites pas à Sir Schwan. Je ne peux pas imaginer que nos taxes seront en train de payer ces gens-là. La rupee il se casse avec le sac. Allez hop. Hop. On abandonne. Eh bien, bien, vous avez eu un jour occupé, monsieur Yuri Lowell. Je suis assez occupé moi également, mais je pense que je peux jouer un petit peu avec vous. Messieurs, c'est les rats comme vous qui rendent le job de Flynn si difficile. Flynn, un peu de souffrance, et c'est juste
de ce dont a besoin un nouveau lieutenant. Quand vous avez terminé avec lui, jetez-le dans la prison, comme d'hab. 10 jours plus ou moins devrait lui apprendre une leçon. Voilà, donc là on se fait bolos. Pas sympa, sympa. Donc comme je disais, le voleur s'est fait un pactole de ouf avec ce qu'il a volé dans la séduction du noble. Je sais, et il a été rattrapé et le loot a été retourné. Non, tu vois, c'est juste que la noblesse essaie de garder les choses cachées sous le radar, parce que le trésor qu'il y a dans la mansion, c'est le manoir, maintenant est un faux. Mais non, tu c'est pas vrai, tu déconnes. Hey, t'as rien entendu de moi, hein. L'aile noire se tue à la tâche pour trouver. Quoi? La quille des voleurs? Bon, c'est tout, c'est bientôt l'heure du repas. Hey voisin, t'es debout, non? Tu dois être fatigué d'être aussi calme. Tu penses que tu as fait cette... tu as inventé cette histoire par toi-même, le vieux. Tu dois avoir plein de temps à tuer. Le vieux? Non, tu m'as fait du mal, hein. En plus, je n'ai rien inventé. J'ai juste les yeux et les oreilles du monde. Qui ramasserait quelque chose pour moi. Ouais, bien sûr, le vieux. Hey, je suis ce que je suis, hein. Allez, vas-y, demande quelque chose. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Tu veux savoir par rapport à au trésor enfoui de la guilde des pirates? Ou alors, ce sorcier qui a fait sa maison au bout de cette terre? Oh non, je sais. Je veux juste savoir comment on s'en va. Ah, je suis pas sûr que ça, c'est bon. Je suis pas sûr... Je suis pas sûr que tu te rends compte de quoi tu parles. Mais ils te laisseront sortir si tu fermes ta bouche pour 10 jours. Ouais, sauf que d'entre temps, les quartiers bas seront sous l'eau. Les quartiers bas? Ah oui, j'ai entendu par rapport à ça, toute histoire. Je me demande comment ils vont. Désolé voisin, c'est quelque chose dont je n'ai pas entendu parler. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ce putain de Mordio? Le Mordio? Je veux dire, t'as des connexions pour le mondialement reconnu mage de Aspio, la cité des érudits. Tu le connais? Oh, tu veux savoir? Malheureusement, cette information ne sera pas gratuite. Le mage célèbre de Aspio, la cité des érudits. Ouais, j'ai compris. C'est le chef de la guilde des gourmets. Le mec en PLS, il a dit l'info alors qu'il voulait pas la donner. Sors. Ah, juste quand on commence à s'amuser. Dépêche-toi. Qu'est-ce que le commandant Alexei fait ici? Qui es-tu? Qu'est-ce que le chef des chevaliers te veut? Sous la statue de la déesse. Hein? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit dépêche-toi. Oui, ça va, j'arrive. Je traduis en même temps. Hein. Oh, il m'a donné la clé. J'ai dit que je voulais chercher une façon de sortir. Hop. Allez, on ouvre la porte. Clac. Voyez-vous ça? Ça s'est ouvert. En même temps, c'était la clé gros. Toujours vigilant. Avec la façon dont il dort, ça devrait être un... Je devrais un petit peu de temps devant moi avant qu'on se rende compte que je sois parti. Et si je reviens avant le matin, ils seront même pas au courant que je me suis évadé. Je pense que je peux aller dans les quartiers bas et revenir avant le matin. Mais je devrais aussi essayer cette statue de la déesse aussi. Hop. Alors si je me rappelle bien... Non, c'est pas ici. Bon.
Hop, livre de sauvegarde. Voilà. Ah! Le jeu a crash. Le jeu a crash. Intéressant. On recommence, hein. Le jeu a crash juste après la sauvegarde. Va pas se refaire la vidéo. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va crash? Non, c'est bon. 先月税の徴収に来た騎士と揉めて Ah, ぶち込まれ mec. たばかりだってのに J'étais ici là, juste またla semaine ここdernière à世話cause にd'un なるからな。chef de. D'un おとchevalier なしきくみしくてりゃよし飯voulait は出ramener ses てくるtaxes. とはいえ、ここのまずいAu飯moins, だけは慣れねje fais des repas え。ったgratuits. く、Mais si on peut mettre ça des repas. キューモールのせいで Putain,面倒なこ Q-Mall, とになっちまったぜ。il a rendu les choses bien plus difficiles que ce que ça n'était. Hop, une petite Magic Lance. Je peux lui parler, tu crois? Restons calmes, on va récupérer mes affaires. Hop. T'as vraiment pas de poids avec les jeux. Ouais, non, mais là en ce moment, entre le monde ordi qui fait full merde et les jeux. Cœur! Merde, ils m'ont repéré. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. J'ai oublié de changer. Ramasse du loot. Allez, repousse-toi. De faire attention des patrouilles. Donc voilà, si on rentre en contact avec un ennemi, on passe en mode combat. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est là. C'est ici ou pas? Ça, je préfère ça. Où est-ce que tu changes déjà le. Je me rappelle plus où est-ce qu'on change. Où est-ce qu'on change les combats? Voilà, c'est là. Ok. Ouais. Allez hop. Là on peut voir les grades. On performe des scores à la fin de chaque combat. Allez, die. Putain.
Oui, une bouteille. Merci. Bon. Je crois que c'était que deux. Hop. Bon, ils sont un peu péraves les gardes, hein. On va pas se mentir. Allons voir par là. Des coffres. Une bouteille de vie et une cape. On va équiper la cape. Donne un peu plus de défense. Alors un truc que je trouve un peu dommage, c'est que les équipements, hormis les armes, ne changent pas l'apparence du personnage. Donc là, il nous dit ouais. Est-ce que c'est là que j'utilise le... Non, c'est pas là. Hop. Alors... Ah oui. Pourquoi est-ce que vous ne re rentrez pas tout simplement? Je peux pas revenir maintenant. C'est pour votre bien, propre bien, madame. Vous le savez. Et pour l'incident, nous assumons la full responsabilité. Responsabilité complète et on informera les lieutenants nous-mêmes. Comment est-ce que tu peux ça alors que tu n'as rien... Comment est-ce que vous pouvez dire ça alors que vous n'avez rien fait pour m'aider? S'il vous plaît, n'approchez pas plus près. Allons. Pourquoi est-ce que vous ne déposez pas cette arme? Vous allez juste réussir à vous blesser. Je sais comment utiliser une épée. J'ai bien peur que vous ne laissiez aucun choix. J'ose espérer que nous n'en arrivions pas là. Nous n'en arriverions pas là d'ailleurs. Hé, là, par ici! S'il vous plaît, vous devez me laisser partir! Je dois prévenir Flynn! Flynn? Est-ce qu'elle a dit Flynn? Ya! Puff! Flynn? Tu es venu m'aider? Qui êtes-vous? Ah, le pro-chevalier. Identifiez-vous! Battle! Et là, normalement. C'est pas là qu'elle doit m'aider, la meuf? Ah, putain. Chaque fois je me trouve entre le bouton d'attaque et le bouton de défense. On va prendre un petit truc de soin parce que là, compliqué hein. C'est la dernière qui me reste d'ailleurs. Paf! Il n'apprête pas les bonnes manières à l'école. Et ya! Mais tu es une moitié ou quoi? Mais tu n'appartiens pas au château? Non, et je prends ça comme un compliment. Que tu peux dire ça pour me regarder, en me disant en regardant. Yuri, Loël, où es-tu? Ah, mais c'est les deux autres guignols là. Ah, ils essaient de me rattraper. Lieutenant Leblanc, votre voix est tout forte et trop forte. Mes oreilles. Yuri, Loël? Tu es un des amis de Flynn, non? Oui, pourquoi? Et tu as appartenu aux chevaliers impériaux avant? Juste pour trois petits points. T'as entendu ça de Flynn? Oui. Bon, j'imagine qu'il a trouvé quelqu'un à qui il peut parler au château. Yuri, j'ai besoin de parler à Flynn. Attends une seconde. Qui es-tu censé être? De toute façon, je peux dire que tu connais Flynn, mais pourquoi t'étais pourchassé par les chevaliers? Par ici. Bon, écoute, je veux entendre l'histoire complète, mais on peut pas rester ici pour papoter. Première chose, on doit aller chez Flynn. Tu me guides?
Oui. Allez, c'est parti. C'est pas par là. Cherche, y'a du loot, cherche, y'a du loot. On peut pas casser les poteaux là. Ok, c'est pas par là. Si je me souviens bien, c'est juste derrière la porte qui est là. Qu'il y a. Quelque chose sent bon. Qu'est-ce que ça, ça peut être? C'est pas la cuisine des chevets dans le coin? Hop, on récupère des petits objets de loot pour le craft. Hop, et donc là, le mess. Le mess avec la cuisine. Hop, un petit œuf. Et voilà, curry. Curry. Hop. Du coup ça va faire pop les nids, c'est pas grave, on va le soucer. Hop. Là il y a un bouquin de sauvegarde si je dis pas de bêtises. Ah, je sais plus. Bon, on va aller tuer tous. Il y a un coffre là. Il n'y a pas encore les attaques surprises. Normalement, quand tu t'arrives dans le dos de l'ennemi, tu peux faire une attaque surprise. Bonjour. Bonjour. Tiens, chat. Hop. Une bouteille de résurrection. Bon, on va pas se garder parce que j'ai l'impression que c'est ce qui a fait crasher le jeu tout à l'heure. Par contre, on va faire du tour pour retourner. Hop. On va retourner. Ah, il repop vraiment, supportable. Allez, die. Hop. On avance, on avance. Ah non, je peux pas encore activer ça. Je peux pas encore activer, il faudrait que je revienne plus tard. Hop.
Bon, oui, je le bats pas, on va saouler. Hop. Alors, quand même, faire une petite sauvegarde si on sait jamais. Ah, bah oui, bah la sauvegarde fait planter le jeu. Parfait. Bon, bah écoutez, hein. Où est ma souris? Là. La sauvegarde fait planter le jeu, c'est intéressant ça. Putain. Alors ce qui est bon, c'est que la sauvegarde fait planter le jeu, mais elle a quand même le temps de... Enfin, ça sauvegarde le jeu, mais ça plante. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que c'est pas dans l'autre sens. Allez. Ouais, les combats du début sont pas les plus intéressants. Hein. Quand on sera sur la carte du monde, ça sera beaucoup plus intéressant. Ouais, 200 goal. 200 goldes. Voilà. C'est la chambre de Flynn. Ah oui. Ouais, ouais. Comme par hasard, elle est vide. Il garde vraiment sa pièce dérangée. Bon, en gros, ils expliquent ils ont qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi est-ce qu'il y a un groupe de chevaliers qui vous suit? Tu vois, Yuri, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas être spécifique, mais je peux être plus précise, mais Flynn est en danger. Je dois aller le prévenir. Bah, vas-y si tu veux, c'est pas le problème. J'aimerais bien. Je le ferais si je pourrais. Et écoute, je dois faire quelque chose, je dois m'occuper de quelque chose moi aussi. Et dès que ça se calme dehors, il faut que je retourne au quartier bas. Dans ce cas, est-ce que tu pourrais m'emmener s'il te plaît? Parce qu'en dehors de Flynn, il n'y a personne d'autre sur qui je peux dépendre. Est-ce que tu peux au moins m'aider à sortir du château? S'il te plaît, t'en supplie. D'accord, je vois que tu es sérieuse. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ton nom d'abord? Ah oui, putain. Prépare-toi à tomber sous ma lame. Est-ce que t'as déjà entendu le toquer à la porte? Je suis Zaggy, l'homme qui va te tuer. Maintenant, meurs, Flynn Sifo. Que je ne suis pas fine, bien évidemment. Si je me rappelle bien, il est un peu casse-couille. Alors, si je pouvais éviter de taper dans le vide, ce serait cool. Prends ta potion. Super. On va mettre la sauce. Ouf.
Je le sens, qu'est-ce que tu sens? Je ne sens rien du tout, moi. Oui, tellement sûr de soi. Ça y est, maintenant je suis vraiment en vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, il est passé en mode berserk. Yuri, laisse-moi t'aider. Recule. Mais... Amène-toi! Plus on est de fous, moins y'a de riz! Si les choses dégénèrent, casse-toi! Je le ferai! Ah, n'abandonne pas, j'ai eu quelques. Je n'ai pas eu de combat tel que celui-ci depuis des années. Et ah, du coup, là j'ai mon premier allié qui me soigne. Si. Il la laisse tranquille. En fait, le problème c'est que j'aimerais bien la laisser cast, mais voilà, le truc c'est que moi je vais die. Allez. Reste-moi. Yes. Voilà, là elle va me soigner. Voilà, first aid. Je me fais déboîter par l'autre là. Parce que là, mais putain, je suis pas sûr qu'elle va avoir le temps de la lancer. Hein. C'est bon. Mais il fait tellement de dégâts, MDR. Ah voilà, le wipe, le wipe. On recommence ça. Ah mais en plus, ah non, je vais reprendre de tout au niveau du bouquin là. Ah là 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 là, terrible. J'ai fait une Alex. On va aller récupérer le jeu qui est là parce que du coup je l'ai pas récupéré. Merde, je l'ai passé à côté. Hop, ah, un truc dans l'œil. On récupère ça. Bon, c'était que 200 d'or, j'aurais pu le récupérer plus tard. Passe. Sous de son. Oui, non, ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. Voilà. Premier mini boss du jeu. Et je me fais OS. Non, mais ok. Je vais pas me défendre après ça en fait, c'est ça qui est terrible. Non mais... Mais MDR! Mais tiens! Non mais c'est terrible par contre, je peux vraiment pas me défendre en fait. Putain! On recommence! Putain, je me rappelle plus que ce boss était aussi dur hein! Enfin, ce boss. Même pas convaincu que ce soit un boss. Prends-en de la graine, Alex, c'est comme ça qu'on fait pour fail. Et on passe. Ah merde, je voulais me soigner avant. Bon, c'est pas grave. Hop. Dotsugai datsu nara shine. Jitta hito no hanashi kiita hou ga ii ze. Zagi da.
Ouais, en fait, je peux rien faire sur la riposte, c'est chiant ça. Et même ça, je peux. Non, c'est terrible. Oh là là. Mais. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. On va devoir se soigner. Ça fait quoi ça? Super. Super! En mode la vie! Ah mais putain! Mais c'est terrible hein! Mais what the fuck? Il ne peut rien faire! C'est-à-dire que dès que je lui mets un combo, il m'en remet un dans la gueule! Et je peux pas me protéger, et il fait genre 1 million de dégâts. Putain. Eh, viens là toi. En fait, il faut que je trouve. Ouais. Et même lui en fait, après. Ah, on se soigne, on se soigne. On n'oublie pas de se soigner. Enfin, ceci dit, vu que c'est mon seul objet de soin, pas convaincu que ça va me faire servir à grand chose. Hop. Et si on se casse? Si on rentrait dans la pièce plus tard? Oui, d'accord. Je me fais coq-bloc. Si je lui mets pas des combos entiers, peut-être. Je me suis fait juste 1, 2. Non, mais même pas. Non, bah faut juste bourrer, hein, je pense. Non, mais si déjà je pouvais bourrer sur lui. Ça sert à rien. Non mais... Non mais... Non mais c'est insupportable, c'est insupportable. Je ne comprends pas. Juste, je comprends pas. Voilà. On va essayer, hein. De toute façon, faut qu'on passe, hein. On est obligé, hein. Merde. Non mais j'ai plus tous les boutons. Après sinon je peux le kiter mais bon pas envie de courir en rond. Parce qu'en vrai je pense que si je me débrouille bien, si je fais ça et que je me casse enfin. Ah.
Ça se passe mieux. Zut. Je pensais que je pouvais l'esquiver en sautant. Ah, déjà c'est mieux. On a plus de vie. Allez. Ouais, c'est ça. Fais. Allez, soigne-moi toi. Non mais bah, par contre faut arrêter là. Voilà. Non mais on va arrêter avec les combos là. Puis on va se relever aussi quand même. C'est chiant. Quand t'es excité là. Au moins il focus pas le mage. J'ai rien dit. Putain, il est de côté. Soigne-moi là. Insupportable. Non mais... J'appuie sur les boutons, il se passe rien, c'est un bonheur. Voilà, tiens. Pardon, excusez-moi. Mission secrète. C'est quoi la mission secrète? Level up. Woo. On va sauvegarder, même si ça crache. T'es la mauvaise personne. Non, tu peux le savoir. Ce n'est pas Flynn. C'est Itai. Amène-toi. Ce gars est fou. Finn s'est fait des ennemis intéressants. Zaggy, on s'en va. Les chevaliers sont sur nous. Tiens, chat. Comment oses-tu? Regarde plutôt ton... Plutôt des affaires, on arrive à la meilleure partie. Dépêche-toi avant que le chevalier arrive. Ou alors tu devrais qu'on arrête le fun. Voilà. Ouais, il est un peu fou, hein, Zaggy. On va pas se mentir. On doit se barrer nous aussi. On va juste visiter la déesse et on s'en va. Yui. Ouais, je sais, on va rester un petit peu plus. On va rester jusqu'à ce qu'on sorte du château. On va rester ensemble. Mon nom est Estélise. Bien, Estélise, bougeons-nous. Attends, on peut pas laisser la porte comme ça. On s'en fout un petit peu de la porte, mais. Non, mais MDR, je veux qu'on mette la porte. Ok, donne-moi une minute. Allez, comme neuf, allons-y. Bon, toi, ça va être easy peasy les mon squeezy maintenant. Et hop. Quand même réussi à prendre quelques dégâts, mais bon. Ah, j'ai oublié le coffre. Merde. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est à cause des gens avant? On va essayer de pas se faire choper. T'inquiète pas pour les chevaliers. Yuri, où es-tu? Ça va être le blanc. Qu'est-ce que vous connaissez? Oh, on a un petit historique entre nous deux. Non mais MDR. Allez, on va changer d'habit parce que là, la robe, c'est pas possible. Hein. Ouais, ils sont
ces appartements sont juste ici. C'est ma chambre, je reviens, je me change. Allez, dépêche-toi. Juste au cas où. Ouais, c'est pas comme si j'allais regarder. Ouais, Flynn m'a dit que je fasse attention si je te rencontre. Merci Flynn. C'est bon. Et voilà, Estelise. Les habits les moins réalistes du monde, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est? Une poignée de main, ça veut dire ravi de te rencontrer. Allez, on se casse, merci. Et là, ta-na-na-na. Voilà, on a Estelise qui s'est ajoutée à l'équipe. Et du coup maintenant on a aussi ses sorts à elle, qui est juste le first aid. Et pour le moment on va le mettre en automatique, comme ça elle... Elle me le... Et je peux l'utiliser aussi même hors combat pour me soigner, mais ça m'utilise mes TP, donc voilà. Et on n'a pas encore de skills. Yuri, tu étais un chevalier avant, c'est ça? Tu as déjà entendu moi parler de ce que tu sais te diriger dans le château. Ah, c'est une imagination, hein. Elle a level up. En même temps il restait 6 d'XP à avoir. Sinon on les kite hein. On va laisser me soigner. Hop, voilà. Voilà, on drop de ouf hein. On drop de ouf, les amis, je suis vraiment désolé. Je suis venu ici. Je suis pas traducteur en fait, je comprends l'anglais mais je suis pas traducteur. Ouais, en gros elle a pas compris que c'était elle la bagage supplémentaire quoi. こんなもんだな。
俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。全身に力が。ルブルプ。 先ほどのザギと呼ばれていたような方が。お城の外にはいっぱいいるんでしょうか。いや、あれは特別。あんな頭のいかれたやつ。そういるもんじゃない。そうですよね。あ、結構だ。ちょっと待って。もしあの方が一般的な方だったらどうしようかと。ええ、ラビペ、très dur。暮らしにくくて。ラビペ、très dur。もうそれ、était plein de d'hommes comme lui。 Alors ça voilà, c'est une façon d'apprendre les nouveaux Arte quand vous montez de niveau. Parce que là j'ai appris un nouveau Arte qui fait 3 coups de poing à Plum Plum. Le coup de Cerberus Strike. Et donc maintenant, si je vais dans les Arte, voilà, j'ai Cerberus Strike si je vais vers le haut. Par contre, on va le mettre ici plutôt. On va ouvrir la porte. Hop. Est-ce que Fien et toi vous connaissez depuis un bon temps? 2 ou 3 ans? Donc c'est bien intégré dans le château. Fien est une personne qui travaille fort et un chevalier honnête. Il faut que tout le monde le croit. Toujours il m'a dit que je venais plutôt de stabilité aussi. Excusez-moi. Yuri-san? Ouais, petite jalousie. Ah, non, c'est pas grave. Excusez-moi, je me suis levé il y a pas longtemps, je suis un peu fatigué. La fameuse statue. Hop, les objets de heal. Les objets de régène de mana. Et un an. Hop. Ça doit être ça. Quelque chose de spécial par rapport à cette statue. Il y a une sorte de secret. On dirait pas quelque chose de secret par rapport à cette statue. Peut-être si je la déplace. Je pense pas que. Bon, on saura jamais si j'essaie pas. Hein. Ça a marché. Voilà, on dirait que le vieux avait raison. Tu penses que ça va nous amener dehors? Je peux pas te garantir. Bon, je descends, et toi? Je viens. C'est très brave de ta part. C'est qui ce mec déjà? C'est vrai qu'il y avait des choses, quelque chose d'assez ombrageux par rapport à lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as changé d'avis? Non. Ta main est blessée. Laisse-moi regarder. Ah. Oh désolé, j'ai jamais vu un blaster comme ça. C'est vraiment juste pour ça? Oui oui c'est vrai, ma main se sent mieux aussi. Non c'est le mignon que je préfère, bon allez on
Il y a des monstres ici aussi. Des monstres, qu'est-ce que c'est que ces choses? On n'a jamais vu. Oh non, agression. Voilà, et là ils vont t'expliquer qu'en gros si tu aggro un mob avec un autre mob à côté, bah ça fait double combat en fait. Voilà, ça fait casse deux fois la vitre et ça fait un counter link. Donc là ils sont bien plus nombreux, mais ils sont très très faibles. Par contre ils sont un peu petits, c'est chiant. Je touche pas. Voilà, il faut faire attention parce que sinon ça peut vite snowball et tu peux vite te retrouver Voilà, dis attention, tu peux prendre la sauce. Paf! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'était pas 4 aussi. Elle monte de niveau. Je crois qu'elle va prendre son deuxième Arte là. Mais d'ailleurs, si je veux, je peux la jouer. Hein. Si je dis pas de bêtises, il faut juste que je me rappelle. Enfin, je peux peut-être pas encore changer de personnage que je contrôle, mais tu peux jouer tous les personnages. Ah bah si, voilà, je la contrôle. Et du coup, j'ai le soin. Voilà. Nouveau sort, Sharpness, paf, qui augmente ses dégâts. Et du coup, elle va surtout augmenter les dégâts de Yuri, quand je jouerai Yuri. Hop, et je préfère jouer Yuri, merde. D'ailleurs, on peut voir une petite description de ce que font les Arte. Voilà, ça augmente l'attaque physique d'un ami. Comme ça, au début du combat, maintenant elle va commencer par me buff. Et après, elle viendra au combat. Hop. Les goldes. Petit monstre. Et buff-moi, wesh. Let's go.
beaucoup plus dur celui-là. Putain, un buff à la fin du combat quoi. Un bonheur. Un bonheur. C'est vrai qu'il faut taper vers le bas, sinon on les touche pas. Hop. Allez hop, on enchaîne. Je vais prendre le dernier coffre. Paf. Mais donc, ceci dit, avec un healer, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Bon, non pas qu'on ait des combats très difficiles pour le moment, mais bon. Oh mon dieu, c'est lumineux! Et on ressort juste devant chez Mordio. Ah, c'est déjà le matin, j'ai gâché toute la nuit. On dirait que ça nous a amené au quartier royal. C'est quoi le look like? C'est tout paraît différent depuis le château. L'effet du château. Bon, allez, on dirait que c'est la première fois que tu sors du château. Oui. Allez, au moins on est sorti du château. C'est pas ça qu'il fallait faire? Non, c'est bon. Alors, Estelise, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais trouver Flynn. Tu sais où est-ce qu'il est allé? Le jour, il a dit qu'il allait sur un pèlerinage de chevalier. Ah oui, ça. Allez, faire le tour des cités de l'Empire et enchaîner les bonnes actions. Eh oui, c'est pour ça que je vais aller à la cité de floraison, Allure est la première place que les chevaliers visitent traditionnellement sur leur pèlerinage. Bon, donc tu dois aller en dehors de la barrière. Est-ce que tu as déjà été en dehors de la barrière? Un petit peu, oui. J'aimerais bien y retourner, mais je peux pas laisser les taudis comme ça. Allez, viens, je te montre comment on fait pour sortir. On doit passer... C'est sur le chemin des quartiers bas. Des bas quartiers. Allez, on se casse. Là, les gardes me disent rien, bien sûr. Ils ne me disent rien. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder ici et puis de toute façon le jeu va sûrement crasher après la sauvegarde donc on va s'arrêter là. On aura fait un petit live de
Une petite heure. Une petite heure de jeu. 3, 2, 1. Et paf! Voilà, le jeu qui crash. le jeu qui crash. Hop. Hop. Et hop. Ben merci à vous. Pour les quelques personnes qui sont restées aussi tard un dimanche. J'espère que ça vous a plu. Hop, hop, hop. Et oui. Et non. Hop. Hop, c'est ça que je voulais faire. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la petite émission Divinity, en espérant que ma connexion, enfin que j'ai réglé mes soucis de connexion d'ici là, parce que ça me fait chier d'avoir 10% du live qui est parti en drop. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous fais des bisous. Ciao.